associer tous les Français à la cérémonie d'hommage national aux victimes des attentats. Voilà la volonté du gouvernement qui propose à tous ceux qui le souhaitent de pavoiser leur domicile de drapeau tricolore. Une initiative qui doit créer un moment d'unité nationale, et ce alors que tout rassemblement reste interdit à cause de l'état d'urgence. Je pense que c'est important que, quel que soit nos âges, moi j'ai 20 ans, de participer à ce mouvement citoyen pour justement montrer qu'on fait front contre le terrorisme. Le fait d'avoir été touché au cœur et que ça ait touché l'ensemble des Français, ça unit tout le monde et ça nous ravive notre sentiment patriotique. Depuis les attentats du 13 novembre, le drapeau tricolore est devenu un symbole de cohésion derrière lequel beaucoup de Français se sont réfugiés, et ce, notamment sur les réseaux sociaux. Cette initiative d'un gouvernement de gauche peut surprendre sur le plan historique. La gauche française, notamment depuis la Première Guerre mondiale, où le nationalisme est une des causes de la Première Guerre, se méfie de ce drapeau. C'est pour ça que François Hollande, appelant tous les Français à mettre le drapeau aux fenêtres, c'est une révolution copernicienne. Aux États-Unis, le drapeau, c'est vraiment pour tout le monde. Dans tout l'Hexagone, les ventes et les commandes de drapeaux ont presque doublé en 2 semaines.